Bienvenue dans Sources diplomatiques, une plongée au cœur de la diplomatie française, une invitation à découvrir de l'intérieur la fabrique des positions de la France, les négociations en cours ou passées, et à explorer la grande variété d'enjeux internationaux qui occupent chaque jour les 14 000 agents de notre ministère à travers le monde. Nous consacrons cette première série à la guerre en Ukraine. Cet épisode 5 s'intitule « Isolé et jugé ». Dans ce numéro, nos sources diplomatiques racontent comment la France s'organise au sein de la communauté internationale pour que la Russie soit tenue responsable des conséquences de la guerre d'agression qu'elle mène en Ukraine. Sur le plan politique, d'une part, en violant toutes les règles fondamentales du droit international et notamment de la Charte des Nations Unies, la Russie se met elle-même au banc de la communauté internationale. Elle doit en assumer les conséquences et se voir donc privée des droits que garantissent les organisations internationales à leurs États membres. Sur le plan juridique ensuite, l'agression de la Russie contre l'Ukraine s'accompagne de nombreux crimes, et potentiellement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La justice nationale et internationale doit pouvoir tenir responsables les auteurs de ces crimes. Mais quel réel pouvoir ont les institutions internationales face à la Russie ? Et comment le droit et la justice internationale s'exercent lorsqu'un État déclare la guerre à un autre? Dans le palais où se tient la conférence de San Francisco, M. Stettinius reçoit les représentants des Nations Unies, parmi lesquels on reconnaît M. Molotov, chef de la délégation soviétique, et M. Eden, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix. We must learn to live together in peace. Puis les chefs des délégations des grandes puissances viennent l'un après l'autre s'associer aux espoirs du président des États-Unis, M. Molotov, chef de la délégation soviétique. M. Eden, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, apporte l'adhésion du Royaume-Uni et la France s'associe à ces paroles d'espoir par la voix de M. Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères. La Charte des Nations Unies sera signée le lendemain à l'unanimité. Elle établit les principes qui régissent les relations internationales, celui de l'égalité souveraine des États membres et leur engagement à s'interdire le recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout autre État. Nicolas de Rivière est représentant permanent de la France aux Nations Unies. En 1945, donc, on a créé les Nations Unies. Toute entité étatique au monde en fait partie, et toute entité étatique rejoignant les Nations Unies souscrit à la Charte, donc est la constitution du monde, d'une certaine manière, qui règle les relations entre États et qui offre à chacun d'entre eux, qu'il soit le plus grand ou le plus puissant ou le plus petit, la possibilité de voir ces difficultés organisées en fonction des règles du droit international, de manière à ce que à pacifier les relations entre États. Et il faut en revenir à ce que la Russie a décidé de faire le 24 février, c'est-à-dire lancer son armée contre un pays voisin pour l'envahir, pour tuer sa population, en violation totale du droit. Le recours à la force est organisé par la Charte des Nations Unies, c'est ou bien la légitime défense, c'est pas le cas, ou bien l'appel d'un État à un autre pour venir l'aider en recourant à la force, c'est pas le cas évidemment, l'Ukraine n'a pas demandé à la Russie de l'aider, ou bien une autorisation sous chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui évidemment n'a pas été donnée. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. C'est une guerre illégale de A à Z, et c'est pour ça que cette affaire ukrainienne est tout à fait considérable, parce que ça consiste à remettre en cause ce cadre, les règles du jeu, le règlement des différends, la manière dont s'organisent et se gèrent les relations entre États. Donc c'est absolument essentiel. Le 24 février, la Russie envahit l'Ukraine. L'enjeu pour la communauté internationale est de réagir vite et de tirer toutes les conséquences de cette violation de la charte au sein des grandes organisations internationales.
Bon nombre d'institutions internationales décident d'exclure la Russie ou d'en limiter les droits. Marie Fontanelle, représentante permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est né après-guerre, première organisation internationale européenne avec l'objectif de garantir une paix durable sur notre continent européen. Et c'est une organisation internationale dont l'ADN, la colonne vertébrale, est véritablement d'essayer d'assurer le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit sur notre continent, avec le vaisseau amiral que représente la Cour européenne des droits de l'homme, que tous les citoyens européens, des donc 47 auparavant, 46 désormais États membres du Conseil de l'Europe, peuvent saisir s'ils estiment que leurs droits ont été bafoués par l'État. Les États candidats à participer à cette organisation internationale l'ont été dans le passé parce que c'est une organisation internationale qui est la démonstration de la démocratie. La Russie elle-même, quand elle a adhéré en 1996, voulait témoigner de son engagement pour la démocratie. Exclure la Russie du Conseil de l'Europe était devenue une décision inéluctable, dictée par la gravité de la situation, de l'agression, des violations des droits de l'homme. Un État qui viole aussi ouvertement les principes les plus fondamentaux des Nations Unies ne peut plus en être un membre normal. D'autant plus quand il s'agit d'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Dès le 2 mars, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution qui condamne l'agression contre l'Ukraine. Elle est votée par près des 3/4 des États membres de l'ONU. Le 24 mars, une nouvelle résolution de l'Assemblée générale condamne fermement les attaques aveugles et disproportionnées, y compris les bombardements frappant sans discrimination. L'objectif ? Isoler Moscou sur la scène internationale pour faire payer à la Russie le prix de la guerre qu'elle mène en Ukraine et protéger le système multilatéral international. La Russie est isolée, elle l'est. Nicolas de Rivière. Elle l'est probablement moins aux Nations Unies qu'elle l'est en Europe, ça c'est clair. Ça reste un pays très puissant, une puissance nucléaire, la plus grande superficie au monde. Donc c'est une œuvre de longue haleine. Au Conseil de sécurité, on n'a pas pu condamner parce que la Russie a mis son droit de veto. Mais à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est le Parlement du monde, 141 États ont condamné l'agression. 141, c'est beaucoup, c'est plus des 3/4, presque, c'est environ les 3/4. C'est pas l'unanimité. Et un certain nombre de pays se sont abstenus. La Russie s'est retrouvée très isolée là-dessus. Elle s'est retrouvée soutenue uniquement par 4 ou 5 États voyous. La Corée du Nord, la Syrie, etc., l'Érythrée. Mais pour le reste, un certain nombre de pays se sont abstenus. L'enjeu majeur de cette crise, c'est que maintenant, elle va s'inscrire, hein, probablement, et c'est regrettable dans la durée, le conflit risque de se prolonger, une lassitude, une espèce de fatigue risque de s'installer, et beaucoup de pays du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, risquent petit à petit de mettre les deux camps à équidistance. Je crois que c'est très important de continuer à expliquer en direction des pays du Sud que cette crise les concerne aussi et que s'ils ne réagissent pas de manière ferme, on en revient à la loi de la jungle. Tous les pays du monde, grands ou petits, peuvent décider à ce moment-là d'envahir leurs voisins pour un prétexte sérieux, futile, et ensuite régler leurs relations uniquement par la force. Ce qui est arrivé à l'Ukraine peut leur arriver aussi. L'Assemblée générale est le principal organe politique des Nations Unies. Elle regroupe les 193 États membres de l'ONU, conduit des débats sur tous les sujets relevant de la Charte des Nations Unies et vote de nombreuses résolutions qui font partie du droit international public. Elle se réunit toute l'année, mais siège une fois par an en septembre au niveau des chefs d'État et de gouvernement du monde. C'est le segment de haut niveau. Fabien Pennon, directeur Nations Unies et Organisation internationale au ministère. Pour faire connaître nos positions, pour obtenir les voix nécessaires dans les différentes enceintes internationales, bien sûr, il était nécessaire de dialoguer, d'échanger avec les pays qui votaient. C'est la raison pour laquelle nous avons dû mobiliser l'ensemble de notre réseau diplomatique pour faire des démarches auprès de ces pays qui votaient,
leur expliquer nos positions, échanger sur leur propre compréhension de la situation, du déclenchement de la guerre en Ukraine, de leur propre position par rapport aux organisations internationales concernées, de leur volonté de soutenir des projets de résolution qui étaient mis au vote. Aline Koester-Ménager, ambassadrice de France au Kenya, est chargée de démarcher les autorités kenyanes qui siègent à l'Assemblée générale des Nations unies avec le soutien de ses partenaires européens. Le 24 février, on était en pleine session ministérielle à l'ONU et en même temps qu'on fédérait les positions européennes et celles des États qui partageaient nos vues, on a dû assurer des démarches auprès du gouvernement kényan pour l'encourager à condamner l'agression russe au Conseil de sécurité. Ça n'a pas forcément été facile. Je crois que vraiment les Kenyans, en tout cas au Kenya, et le jour de l'agression, étaient encore très loin de réaliser l'importance de cette agression russe. Et je pense qu'en voyant tous ces ambassadeurs européens, les Finlandais, les Suédois, certes les Polonais qui ont une histoire particulière avec la Russie, présenter chacun à leur tour leurs argumentaires, leurs inquiétudes, ils ont été, je dirais, ébranlés. The General Assembly is now voting on a draft resolution entitled Aggression Against Ukraine. The result of the vote is as follows. The result. The result of. Au Conseil de sécurité, lorsque cette résolution a été présentée, ils ont voté en faveur de la résolution et développé un argumentaire autour du territoire de l'Ukraine. C'est un argument auquel ils soutiennent. Parce que je pense qu'il leur parle par rapport à leur propre situation régionale. C'est un peu la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, parce qu'ils se projettent. Ils se disent, si mon voisin fait la même chose, évidemment ce sera condamnable et il est bien que ce soit condamné par la communauté internationale. Ce travail de conviction paye. 8 mois plus tard, le 12 octobre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies condamne la tentative d'annexion illégale de 4 régions d'Ukraine et demande à la Russie de revenir sur cette décision. 143 États se joignent à ce vote, un nombre plus important qu'en février. Mais isoler la Russie ne suffit pas. Il faut aussi que la justice nationale, comme internationale, puisse identifier les responsables des crimes commis en Ukraine et les punir. En avril 2022, alors que les forces armées russes se retirent d'Irpine et de Boutcha, le monde découvre que des exactions massives y ont été commises pendant l'occupation russe. Des cadavres de civils jonchent les rues, des fosses communes ont été creusées. La Cour pénale internationale, saisie dès les débuts de la guerre, est pleinement mobilisée. Basée à La Haye, fondée par le statut de Rome en 2002, cette juridiction pénale permanente est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Louise Vassy est ancienne ambassadeur de France aux Pays-Bas, où se trouve le siège de la Cour pénale internationale. Nous avons très largement participé au mouvement de soutien des États membres de l'Union européenne pour saisir la Cour pénale internationale du dossier ukrainien. 43 pays se sont joints à cette saisine. Ceci a permis à la Cour d'agir très rapidement et de déployer des équipes sur le terrain. Le procureur n'ira pas en Ukraine en ayant prédéterminé qui est coupable ou qui ne l'est pas. Il devra suivre les preuves. Et de ce point de vue, nous avons été, nous France, précurseurs, puisque dès le mois d'avril, c'est-à-dire immédiatement après la libération des villes de Irpine et Boutcha, nous sommes ceux qui avons déployé les premiers, au plan international bien sûr, avec les Ukrainiens, des équipes qui ont pu recueillir des preuves sur place, notamment des preuves ADN ou des témoignages.
En soutien à l'enquête de la CPI et à l'enquête de la procurature ukrainienne, la France est le premier État à déployer des experts de la gendarmerie nationale pour aider à documenter et à analyser les crimes commis en Ukraine. Du matériel d'enquête scientifique et technique, notamment de reconnaissance ADN, est déployé et donné à l'Ukraine. Deux magistrats et 10 enquêteurs sont mis à la disposition de la justice ukrainienne et internationale. Une contribution exceptionnelle de 500 000 euros est versée à la Cour pénale internationale pour permettre aux procureurs de mener ces enquêtes. Parmi ces 10 enquêteurs, François Eulard, directeur de l'Institut de recherche en criminologie de la Gendarmerie nationale. Il fut le chef du détachement de gendarmes parti à Boutcha pour assister la justice ukrainienne. Pour l'Ukraine, c'est un peu inédit puisqu'on intervient très très rapidement après que les lieux aient été évacués, alors que le conflit continue. Je crois qu'il s'est passé moins de 15 jours. Le besoin d'une expertise indépendante extérieure est apparu assez rapidement aux autorités ukrainiennes pour donner plus de force, sans doute, à leur procédure. L'IRCGN travaille sur la trace. Ce qu'on cherche, nous, quand on réalise l'examen du corps, plus ou moins approfondi, c'est les causes violentes de la mort, à vrai dire. Des corps, on en a vu beaucoup, beaucoup, portant les stigmates de tirs d'armes de guerre, ou portant des stigmates liés à des explosions. Évidemment, quand on a des munitions qui sont très spécifiques à certains types d'armes, de tireurs d'élite ou ce genre de choses, forcément, ils ont été victimes de tirs délibérés. Et pas d'un tir unique, mais de tirs sur les parties hautes du corps, ce genre de choses. Donc, qui sont des éléments qui sont quand même très pertinents pour consolider ou apporter des éléments complémentaires aux constatations qui ont pu être faites sur place ou aux histoires qui sont racontées par les témoins à côté. Et tous ces éléments-là constituent des éléments utiles à la manifestation de la vérité à disposition des magistrats et qui sont discutés au procès pénal. Le travail de la diplomatie française se poursuit aussi dans les instances internationales en charge des droits humains pour déployer tous les moyens d'enquête existants. Hier soir, une résolution a été adoptée à une très large majorité pour mener, je cite, une enquête sur les graves violations des droits de l'homme commises par l'armée russe. Les investigations se concentrent sur Kiev, Tchernigiv, Kharkiv et Soumy. Elles s'ajoutent aux enquêtes de la Cour pénale internationale et à celles de la justice ukrainienne. L'ONU entend, je cite à nouveau, demander des comptes aux responsables. Pourquoi le décider maintenant? Parce que les preuves s'accumulent de jour en jour. Dernière en date, cette vidéo que s'est procurée CNN, les caméras de surveillance d'une concession automobile dans la banlieue de Kiev ont filmé deux soldats russes qui ont tiré dans le dos de deux hommes travaillant dans cette concession, deux civils désarmés. Et ces images de vidéosurveillance constituent une preuve de crime de guerre si les soldats russes en question sont arrêtés et jugés. La guerre, c'est-à-dire le recours à la force et à la violence, a fait l'objet depuis la fin du XIXe siècle d'un effort de réglementation internationale pour en limiter les effets. Le droit international s'est développé au XXe siècle pour interdire, lors des conflits armés, les actions qui ciblent par exemple les populations civiles ou les biens civils, mais aussi pour protéger la dignité des prisonniers ou la sécurité des journalistes. Ce sont notamment les fameuses conventions de Genève. La violation de ces règles constitue potentiellement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide précisément définis par le droit international. 6 jours après le début de la guerre, l'ambassadeur ukrainien auprès de l'ONU lit devant l'Assemblée générale des Nations unies les messages qu'un soldat russe a envoyés à sa mère avant de mourir au combat. Alyosha, comment vas-tu? Pourquoi mets-tu autant de temps à répondre? Es-tu vraiment en centre de formation? Maman, je suis en Ukraine. C'est une vraie guerre qui fait rage ici. J'ai peur. On bombarde toutes les villes ensemble.
даже по мирным жителям. En ciblant même des civils. Нам сказали, что они нас будут приветствовать. On nous a dit qu'on serait bien accueillis, mais ils tombent sous nos véhicules blindés. А они кидаются под нашу технику. Ils se jettent sous nos roues. И не дают проехать. Et nous empêchent de passer. Называют нас фашистами. Ils disent que nous sommes des fascistes. Мама, мне очень тяжело. Maman, c'est trop difficile. Quand nous sommes allés à Boutcha, l'adjointe au maire de Boutcha est venue me voir en me disant « Est-ce que vous êtes capable de faire l'ADN sur les familles des victimes ?» pour essayer de donner des identités à des corps de disparus et rendre des corps à des familles. Les autorités ukrainiennes ont bien vu tout l'intérêt d'avoir un laboratoire au plus près. Nous avons traité environ 200 corps, ce qui est énorme. Les capacités d'identification et les capacités de labo ADN, elles sont uniques en Europe. Hein, le laboratoire ADN, c'est une innovation à l'IRCGN. Et l'identification ne faisait pas partie des demandes initiales. Mais on sait que c'est un corollaire des examens de corps à chaque fois. L'option qui était retenue, c'était d'en fabriquer un. C'était réalisé, je crois, en moins de 6 semaines. Et qui a été donné aux autorités ukrainiennes avec une équipe de 2 experts en génétique de l'IRCGN qui sont partis former pendant 1 semaine les Ukrainiens à l'utilisation de ce laboratoire ADN. Louis Vassy. Il y a des acteurs dans l'ordre international qui refusent d'agir selon nos normes communes. Et il est important que nous ayons des organes qui puissent objectivement le démontrer, qui ne soient pas à la main de tel ou tel pays ou puissance. Et donc c'est pour ça que la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, toutes les organisations multilatérales qui agissent en parfaite indépendance sont importantes pour qu'il soit entendu que ce n'est pas nous qui accusons tel ou tel de commettre des crimes graves, mais que ceux-ci sont effectivement en train d'être commis. Dès lors que les responsables de crimes sont reconnus coupables par la justice internationale, comment les États s'organisent-ils pour faire appliquer son jugement ? François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère. Donc, en réalité, lorsqu'une personne est poursuivie par la Cour pénale internationale, la Cour diffuse un mandat d'arrêt. Et ce sont les États parties qui peuvent être amenés à procéder à des arrestations s'ils en ont la possibilité. Parce qu'il y a des difficultés si certaines personnes, par exemple, restent dans un État qui ne coopère pas avec la Cour. Mais si ces personnes, à un moment ou à un autre, sortent de cet état, peuvent être arrêtées. Et ensuite, ces personnes, si elles sont condamnées à des peines de prison, eh bien, ces personnes peuvent être ensuite détenues pour purger leur peine de prison, soit à La Haye, soit éventuellement dans d'autres états parties qui acceptent de les détenir. Ce 16 septembre 2022, les forces armées ukrainiennes mènent une contre-offensive dans la ville d'Izioum et découvrent de nouvelles fosses communes dans les forêts avoisinantes, tout juste reprises à l'armée russe. Une semaine plus tard, le 22 septembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à la demande de la France pour discuter des moyens destinés à lutter contre l'impunité des crimes commis contre l'Ukraine et en Ukraine. Lors de cette séance, la Russie se trouve isolée. La Chine et l'Inde condamnent les violations de la Charte des Nations Unies et notamment la violation des frontières d'un État souverain lors de leurs allocutions. Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, présidait cette session du Conseil de sécurité. Je voudrais pour conclure citer un auteur russe. Nous devons condamner publiquement l'idée même que des hommes puissent exercer pareille violence sur d'autres hommes. En taisant le vice, en l'enfouissant dans notre corps pour qu'il ne ressorte pas à l'extérieur, nous le semons. Et dans l'avenir, il n'en donnera que 1000 fois plus de pouces. En écrivant ces lignes, Solzhenitsyn se référait aux décennies de crimes commis par l'URSS sur son propre territoire. Hélas, il n'y a pas un mot à en retrancher
pour décrire les crimes commis aujourd'hui par la Russie hors de ses frontières. La Cour enquête sur des faits pouvant être, selon son procureur, constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Nous verrons ses conclusions. Mais dès aujourd'hui, nous pouvons et devons dire que leurs responsables seront identifiés, poursuivis et, in fine, jugés. Le temps peut paraître long pour les victimes et leurs familles, mais elles doivent avoir la certitude qu'ils ne resteront pas impunis. Nous le leur devons. Et il n'en va pas seulement de ce que nous leur devons, il en va de notre sécurité et il en va aussi des principes universels qui nous lient. C'était Guerre en Ukraine, épisode 5, isolé et jugé. Merci à nos intervenants, Nicolas de Rivière, Marie Fontanelle, Fabien Pennon, Aline Custer-Ménager, Louis Vassy, François Alabrune, François Eulard. N'hésitez pas à partager le podcast Sources Diplomatiques sur les réseaux sociaux. Sources Diplomatiques est un podcast produit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réalisé par la Direction de la communication et de la presse.